Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo K-pop parce que j'ai acheté deux albums en réalité. Donc le premier sera dans cette vidéo-ci et le prochain sera dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. L'abonnement, comme ça, vous ne loupez pas le prochain unboxing, et le pouce bleu parce que ça me fait plaisir. Et puis comme ça, on sait qu'on aime bien le K-pop entre nous, en bref. Alors je ne vous promets pas que l'unboxing prochain va sortir la semaine prochaine, je verrai. Parce que je pense me le garder un peu sous le coude pour profiter, tu vois. Et aujourd'hui est un grand jour parce que j'introduis à vous un nouveau groupe que j'aime beaucoup. Parmi les trois groupes principaux que je stan, on a Twice et Aespa, donc j'ai déjà fait des unboxings d'albums sur ma chaîne. Et on a aussi Lapillus. Et Lapillus, c'est un groupe un peu moins connu, bien sûr. Et du coup, j'étais très contente d'avoir acheté leur album et de les faire un peu plus connaître parce que franchement, elles sont trop talentueuses, je les adore. Au début, quand j'ai commencé à les stan, ma bias, c'était Shana. Et après, Yue a fait une high note, je me suis dit, ok, c'est elle, c'est ma reine. Du coup, aujourd'hui, on veut des photocards de Yue. Et je vous avoue qu'en ce moment, Bessie, elle fait de l'œil aussi, c'est un peu ma bias breaker, je crois. Bref, de toute façon, il y a beaucoup de photocards que je veux dans Lapillus, leur deuxième album qui s'appelle... Comment il s'appelle? Il s'appelle Curls Round Part 2, avec pour le title track, Who's Next. Mais en fait, il y a au moins une PC par personne que je veux, enfin que je trouve mimi, tu vois. Mais bien sûr, si j'ai Yue là, je serai la plus heureuse de toutes les personnes. Donc on va changer de plan et je vais ouvrir ce gros bébé. Ce ne fut pas des plus simples, ma foi. Hop. Alors je ne sais pas pourquoi le carton est aussi grand. D'habitude, il est grand parce qu'il y a des posters. Mais là, je vous avoue que bon, l'album pour la fois prochaine sera une surprise. Mais là, on va unboxer mon petit album de Lapillus. Vu que c'est mon premier de Lapillus, vraiment, je suis trop excited. Je vais foutre ça là-bas, mais hop, let's open it, guys. Alors, je vous rapproche un petit peu la jeunesse. Hop, est-ce que ça vous convient? J'espère que oui. Donc voilà, on a déjà un format d'album assez différent d'habitude. Et ça m'a fait trop rire leurs unboxings sur leur chaîne en mode ASMR. Vous ne me verrez jamais ouvrir une chaîne d'ASMR, les amis. Donc, pour parler des musiques, en essayant de faire la TikTokeuse, voilà. Donc, Who's Next, qui est absolument génialissime et tellement Lapillus codide, genre incroyable, j'ai adoré. Marionette, c'est ma B-side préférée et je pense que c'est même ma chanson préférée de l'album. Oulala, j'ai beaucoup aimé. Paper, elle est incroyable. Genre, en plus, leur performance, elle est trop bien. Donc, c'est des versions différentes de Who's Next. Et franchement, j'ai adoré, j'adore ce comeback. Elles sont incroyables, regardez juste moi, enfin regardez l'esthétisme de la boîte. Et alors je sais qu'elle s'ouvre comme ça, et qu'il y a les photocards à peu près en première, mais je veux pas les voir maintenant. Est-ce que c'est des photocards ça? Je crois bien que oui. Je vais les foutre en dessous de ça. Je ne sais pas si elles sont, enfin de quel côté elles sont, mais bon bref. En premier, on a le mini poster avec trois versions différentes. Donc on a tout d'abord cette version là, elles sont vraiment trop choupiées. Et j'adore à chaque fois les tenues de Yue, où elle a un pantalon, c'est marqué Who's Next et Lapillus, donc Slay. Ensuite on a ces petites tenues là, non mais s'il vous plaît, elles sont Slay comme ça. Et ensuite on a des tenues un peu plus classico, et je pense que ça se détache. J'ai l'impression qu'on peut détacher ça, mais j'adore, oh je vais pouvoir afficher du Lapillus dans ma chambre. Ensuite on a le CD, et comment vous dire, j'aime trop quand les CD ont des pochettes comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi pour les mettre dans la voiture. Et alors regardons le CD comment il est. Oh, il est très joli. Il est très sympa, c'est je crois, oui, une moto ou un scooter, je sais pas trop c'est quoi la différence. Il est très esthétique, j'aime beaucoup, je vais le ranger dans sa pochette. Et ça, c'est mon inclusion préférée hors photocard, c'est les stickers. Et dans la vidéo unboxing, justement, ils ont dit que c'est Yue qui a dessiné les stickers, mais en plus de chanter bien et de danser bien, la dame dessine en fait. Du coup, on peut voir les petites têtes des jeunes, donc là, Bessie. C'est qui ça? C'est Sowon, Shanti avec sa petite coupe en mode Yumeko, Shana, Yue et Aeun, bah bien sûr, comment j'ai pu l'oublier. Hop, ensuite on a les petits noms, tout ça, très très chou. J'aime beaucoup cette planche de stickers, franchement. Déjà, en vrai, j'aime beaucoup les stickers en tant qu'inclusion dans les albums, c'est toujours assez appréciable. Et ensuite on a cette planche de stickers un peu plus basique avec le logo Lapillus, les noms, les chansons, tout ça. Ça par exemple, je suis pas sûre de m'en servir, tu vois. Je fais de la SFR, parce que c'est des stickers un peu plus basiques, mais bon. Ensuite, on a la postcard. Let's go, regardez, elle est trop chou avec le visuel qui est sur l'album, je crois. Est-ce que c'est la même photo? Oui, c'est la même photo. Celle-là, vous pouvez être sûr qu'elle va être affichée, je l'adore. Je trouve qu'elles ont l'air trop classe.
Et ça m'a fait trop rire. Je crois que c'est dans l'unboxing de avec Awan. Elle dit qu'elle n'est pas installée du tout confortablement, même si on dirait que si. Et voilà, en plus, Yue est au milieu en mode bad bitch. Franchement, mon unboxing préféré, c'était celui de Yue et Shantye. Elles m'ont fait trop rire. Mais bon, bref. C'est parti pour... Oh, le photobook est tellement épais, genre, il est thick. Oh, j'ai trop hâte. Je me suis pas spoilé l'intérieur du photobook. Bon, désolé, on va faire un flip assez... Ah! Je suis trop contente de boxer un album d'un petit groupe comme ça. Franchement, je suis trop ravie. Parce que j'ai l'impression de les soutenir, tu vois. Alors que bon, elles n'ont pas besoin de moi, hein, clairement. Mais... Oh! Ça change, quoi. Oh, Shanti. Shanti, trop trop classe, vraiment. J'adore sa coupe de cheveux comme ça, là. Ça lui va trop bien. Shana en mode blonde, en mode bitch. Elle dead ça. Ah, my girl. My girl, Yue. Look at her, en fait. Ah, Bessie. Franchement, sa coupe. Au début, j'étais un peu sceptique parce que j'étais habituée à la voir blonde. Mais en fait, la dame Slay. Je ne sais pas prononcer son nom. Soane. Elle est trop belle. Ensuite, on a la petite Awan. Encore une fois, une prononciation des plus. Mais écoutez, je vais vous passer un peu plus vite, juste pour que vous voyez les concepts. Pardon, on a été coupé. Donc là, hop, on a ce concept rouge. Ah, oh, on a ce concept-là, comment je l'aime trop! C'est vraiment le concept de Who's Next pour moi. Je me regarde même à ça, c'est trop stylé. Oh my god, elles sont trop badass. Il y a énormément de photos, franchement, et le photobook est de très bonne qualité. Elles sont à la fois solo et à la fois en groupe, donc j'adore. Franchement, je ne regrette pas du tout. Ah oui, moment ASMR. Je me crois trop pour je sais pas qui. Mais bon, bref. Hop, du coup, dans une petite boîte comme ça où c'est un peu aimanté. Franchement, très 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 quali, j'aime beaucoup. On va passer aux photocards, les amis. Je les ai mises là. Ok, c'est bon. Elles sont du bon côté. Et ce qu'elles nous disaient, les filles, c'est que quand on les collecte toutes, on avait du coup un message. Enfin, genre, je pense que c'est marqué Who's Next? Girls Want Part 2, la pilule ou un truc comme ça. Donc bref, il y a deux versions différentes du coup. Et on a deux photocards et ça qui est bien parce qu'en avoir une seule, c'est un peu naze. Alors que là, on en a deux et on a d'autres inclusions qui sont vraiment très cool. Donc je suis trop stressée. Oh mon dieu, vous m'avez. La première. Oh, c'est Shana! Oh, je mets trop celle-là. Oh là là, Shana! Girl, so pretty en fait. ASMR photocard. Trop mignon, je suis trop contente. Alors j'espère ne pas avoir une double Shana parce que je sais que ça peut exister. Bon, c'est la double Shana, mais c'est pas grave, elle est trop bien. Autre ASMR photocard. J'ai les mêmes pulls que Yue et Shanti. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup par paire, genre. Parce que dans les unboxings enfin, que je regardais d'elles, ça allait par paire, je crois. Elles ont eu Shana, elles ont eu Awen et. Je crois que c'est tout, je ne sais plus. Donc je pense que je vais en mettre une des deux à trade, mais je ne sais pas laquelle en fait. Je crois que c'était celle-là que je préférais, mais maintenant que je vois celle-là de mes yeux, je me dis waouh. J'aimerais bien Brunioué, vous comprenez, mais en même temps, Shana, j'ai envie de toutes les garder. Et je sais qu'il y a assez peu de fans de la Pilus sur Vinted. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour trouver quelqu'un pour trade. Donc si vous stannez la Pilus et que vous avez une PC de Yue, n'hésitez pas à me contacter. Mais en fait, au plus je les regarde, au plus je me dis. J'ai juste envie d'en acheter d'autres, mais bon, vous ne m'aurez pas ce petit jeu. Écoutez, je vais conclure cette vidéo un petit peu comme ça à la va-vite. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Je suis trop contente avec mes petites PC de Shana et avec mon album de Lapidus. Encore une fois, n'hésitez pas à aller stream leur musique parce qu'elles méritent vraiment enfin, plus de reconnaissance que ce qu'elles n'ont maintenant. C'est vraiment un super groupe avec des all-rounders, genre qui savent danser, chanter, rapper et qui sont très marrantes. Enfin, c'est des personnalités très attachantes. Donc franchement, allez check Lapidus. Je vous mettrai leur chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et au niveau de ma commande, je l'ai passée sur tayou.fr comme d'hab. Vous savez que moi, je suis team Tayou et pas team Musica. Et encore une fois, la livraison, il n'y a rien à redire. C'est très bien protégé. Ça part relativement vite. Moi, là, c'est marqué en 48 heures. Je crois que c'est en 3 ou 4 jours. C'est pas grave, je ne leur en veux pas. Donc franchement, je suis trop ravie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!